Je crois que vous avez décrit complètement ce qui est finalement le tournant du siècle. C'était d'ailleurs exactement ce qu'il y avait pour Média. Pendant longtemps, on a pensé qu'il fallait décrire. Donc on a beaucoup raconté, finalement, pourquoi est-ce que c'était injuste, pourquoi est-ce que il y avait tant de difficultés, pourquoi est-ce que finalement les femmes étaient 53% des diplômés et puis pas 53% ensuite au sommet des boîtes. Et puis à un moment donné, on se dit qu'il faut trouver des solutions. Et à ce moment-là, on a un peu regardé ce qui existait et on s'est aperçu que finalement, il existait des choses assez hautes, c'est-à-dire par exemple les quotas dans les conseils d'administration. Et tant mieux, parce qu'enfin, ça fait bouger les choses et on arrive à 40%, parce que sinon, on aurait attendu encore un siècle. Et puis, on s'est rendu compte qu'il y avait des choses comme le Women's Forum, mais c'était pour très peu de femmes et très cher. Et on s'est rendu compte qu'il fallait faire des choses de façon absolument homogène et régulière. On a lancé la fabrique à héroïne au Carreau du Temple. Il y avait 6000 filles qui étaient inscrites et 6000 filles de 18 à 25 ans. Donc, on s'est rendu compte que le sujet de l'empowerment féminin, c'était vraiment un sujet qui était très, très important et qui devait être pris très en amont parce qu'une fois qu'on a 40 ans, bah, c'est trop tard si on n'a plus confiance en soi, sachant qu'il y a un déficit de l'ordre de 30% d'écart entre les hommes et les femmes sur le sujet de la confiance en soi. Et donc, on a décidé que, finalement, il fallait des solutions globales. Et quand on a rencontré Corp Académique, on s'est rendu compte qu'eux, ils avaient la possibilité, non pas de s'adresser à un tout petit groupe, non pas un groupe de 6000 personnes, mais tout le monde. Et ensuite, à l'international, ce qui a toujours été l'objectif de Féminin. Et je voudrais juste te donner un chiffre qui est assez important d'une étude de McKinsey, qui montre que si on réduisait les inégalités entre les hommes et les femmes, c'est 10 500 milliards de dollars de plus qui seraient générés, soit 1% de la croissance mondiale. Donc on a vraiment tous intérêt à le faire. Merci. D'abord, je voulais vous dire que j'étais très heureux au nom des équipes d'Elephant et d'Elephant Antwerp de cette association avec Corp Académie. Nous, on a une culture entrepreneuriale, une culture d'innovation, et Corp Académie est un acteur extrêmement innovant dans un monde auquel on croit beaucoup, qui est celui de la formation. Dans un monde qui change extrêmement vite, où, comme tu l'as dit, Arnaud, dans les entreprises, il ne suffit pas de dire on met le digital au cœur ou on va modifier le management, mais une culture de cette compréhension de ce monde qui change est essentielle pour réussir la transformation des entreprises. Par exemple, pour prendre un exemple, c'est le travail que fait Elephant depuis longtemps. J'avais commencé à le faire avec Capital en essayant de raconter l'économie, de la rendre accessible pour vulgariser et apporter cette pédagogie du récit avec des reportages, des enquêtes, de la vidéo. Au cœur de ce que nous faisons à Elephant, nous sommes des producteurs de contenu pour les chaînes de télévision, d'où ce partenariat où on associe deux savoir-faire, celui de la pédagogie du contenu que nous avons chez Elephant et que vous avez aussi d'ailleurs, parce que vos équipes, d'ailleurs, elles sont très très heureuses de bosser ensemble, des équipes formidables, des équipes absolument exceptionnelles. Bon. Et vous, votre savoir-faire de mettre en ligne des cours, etc. Donc, longue vie à l'esprit du temps. Merci de cette association, c'est un partenariat dont nous sommes très fiers et heureux. Et puis voilà, j'espère que de plus en plus de gens pourront avoir accès à toutes ces vidéos, à tous ces contenus, parce que je pense que dans le monde dans lequel on est, la connaissance, la formation, et ça va tellement vite qu'il y en a encore beaucoup à faire. Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci.